Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la quatrième manche de la Coupe de France. Ici, on va être à Cholet-Pays de Loire. En vrai, c'était le lendemain de notre victoire sur la classique Loire-Atlantique, mais là, ce sera une semaine après. Je suis désolé, j'ai pas vraiment pris le temps de le faire. Je vais voir pour ouais, cette semaine il y aura qu'une seule aussi. La semaine prochaine, vous l'aurez bien évidemment, hein, toutes les semaines, une par semaine, j'essaie de tenir au minimum. Et donc on est parti pour cette manche où on a gagné. En vrai, Emmanuel Morin a fait 3ème sur cette course, tout près de gagner. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire, une deuxième peut-être, et prendre la tête de la Coupe de France? Ce serait beau. Ce serait même très très beau. Je vous préviens, je suis malade. Si vous m'entendez parler un peu bizarrement, c'est normal. Je suis vraiment désolé. C'est la dure vie qui est comme ça. Et j'ai oublié de changer. Alors, l'équipe qui va être Adrien Mobile, il me semble que ça n'a pas été changé du coup. C'est l'équipe de France. J'ai oublié de changer là avant de lancer. Je vais pas recommencer pour ça. Donc, le maillot Adrien Mobile, moi j'avais changé sur la course d'avant le nom et le maillot. Là, j'ai oublié. Je viens de le voir. Donc ce sera l'équipe de France, il n'y a pas eu Adrien Mobile, Grégoire n'est pas Adrien Mobile. Voilà, voilà, voilà. Donc on va être parti pour ce Cholet-Pays de Loire dans quelques instants. Et on va vivre le début de cette course ensemble. Et puis après je vais couper et vous reprendre au moment intéressant et dans le final. Allez, le jeu qui va se lancer, c'est un jeu coupe maintenant, on y est. On va découvrir les formes ensemble, la pluie, je le sens mal. Et je le sens mal, et ça va aller. Et même Morin, c'est propre, barré, c'est dommage. Mais ça va être comme ça, on va emmener Louis Richard en échappée. Tiens donc, il est devant. Oh, les petits gabarits, Louis Richard. Il va aller en échappée. Le jeune Louis Richard. Alors, ouais, Florian, hop, tu vas protéger. Toc, 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 on va faire comme ça. Toujours mettre un gars devant, donc ça voilà, c'est l'équipe de France que je vous parlais, ne hein. Faites pas gaffe au milieu de Adrien Mobile, j'ai oublié de changer avec Antoine Devanne qui va aller devant, vainqueur du dernier chrononisation espoir. Einmein, Miguel Einmein qui est là pour la BNB, et c'est Sanchez de la formation Quinfarma. Derrière on a Gonzalez de la Java Kiwi. Et Johan, Stéphane, Stéphane, bah oui bien sûr, je sais pas son nom, de Miseo, de la Minerva Cycling Team. Derrière Weiss, Vandenveld, Murphy, Charin, et la tutor qui essaie de viser pas ces maillots là, c'est encore succès à Cycling Academy à ce moment là, mais voilà. Et il y a du monde à partir, il y a beaucoup de monde, on va pas faire tout le taf non plus, et il faut pas non plus ratonner les gars dans la roue là. Personne ne roule sur cette grosse échappée, pourtant ça peut être un moitié inquiétant hein, comme échappée. Est-ce qu'ils acceptent encore des coureurs devant, vous pensez? Je pense pas vu le rythme qu'ils prennent. On va voir. Ah non, il refuse, donc ça va contrôler. On va pas tenter de rattaquer, hein. C'était juste pour voir s'ils allaient accepter ou pas un coureur de plus. Et ben, je pense que l'échappée matinale est partie dans cette course. On va replacer tout ce beau monde à ce niveau-là. Et qui vont être bien sûr autour d'Emmanuel Morin. Alors Barry avait fait deuxième à Classique Loire Atlantique, ça va être compliqué aujourd'hui vu ses notes. Est-ce qu'il va être lanceur, je ne sais même pas, on va improviser. Est-ce que Guégan, est-ce que Le Turnier, est-ce que Paquet? Je vais bien voir, je vais improviser. Allez voilà, on replace Emmanuel Morin, il avait cette même forme là, je pense en vrai à peu près. Si on prend en comparaison un virage à la fin, une bonne note d'accélération, c'est ce qu'on a. Donc je vais essayer d'aller chercher cette victoire avec Emmanuel Morin. On en est capable, on l'a vu sur la classique Loire Atlantique et on va tenter d'aller chercher. Je vais couper, pas grand chose d'intéressant, à part ce contre qui essaye de rentrer, mais pas grand chose d'intéressant, donc voilà, je vais vous couper et on se retrouve tout à l'heure. Et je vous reprends à 40 km de l'arrivée au moment où Pierre Barbier vient d'être victime d'une crevaison, le coureur de la BNB, le leader de la BNB attendu par Jonathan Hiver. C'est cruel pour lui, la Pera et Torres ici sont tombés tout à l'heure, donc voilà, je vous reprends maintenant, je profite de cette crevaison, on va bien voir ce que ça va donner cette fin de course, 40 km, on va chercher les derniers bidons, il pleut toujours, autant il y a eu des crevaisons, multiples crevaisons, rien de bien important, Jérémy Leveau était sûrement le cours qui avait plus de chance aujourd'hui, qui a crevé, il n'a pas été attendu car ce n'est pas le leader de son équipe, et là Pierre Barbier n'était pas tant attendu que ça, et est-ce qu'on a Mozzato, non? Ça va jouer la carte Cyril Gauthier peut-être, hein. Je vois pas pourquoi ça attend pas Pierre Barbier, il va rentrer je pense. Hein.
Je l'espère pour lui en tout cas, Jonathan Hiver lui aura du mal. Père Barbier est à quelques secondes, il se relève. Oh là là, il attend Jonathan Hiver. Il a vu qu'il ne pouvait pas faire de jump, il l'a attendu. C'est pas idiot, c'est clairement pas idiot. Et on va voir Maël Guégan qui va ramener les bidons ici. Et pendant ce temps-là, Pierre Barbier toujours en galère pour rentrer. Attaque devant de Lucha, hein. On s'en fiche un petit peu, je vous l'avoue. Allez. Jonathan Hiver qui n'arrive pas à passer de relais à Pierre Barbier. Les deux ne rentreront pas, je pense. C'est triste alors que la paire a doublé et lâché les Torres. Devant, ils sont plusieurs à être partis, Devan et Uriti. J'ai fait pas mal de job déjà, c'est pas à moi de faire tout le boulot, tout seul boulot. Je vais me remettre dans la roue. Allez, nous de ce côté là, on est toujours bon. Morin, ça se passe bien. Un peu plus dur pour Guégan hein, qui allait chercher deux fois les bidons. Inutile d'attendre, j'aime pas faire ça, mais c'est stratégique pour protéger le paquet qui sera mon poisson pilote. Enfin le poisson pilote de Morin, pas le mien. Hein. Donc voilà, j'aime pas trop faire ça, c'est pas très beau pour la course, mais on va faire comme ça, on va faire avec. Échappé et condamné, ça va se jouer au sprint. On va rester placé tout de même. Tout de même rester placé s'il vous plaît monsieur Paquet. Si vous le souhaitez. Si vous acceptez, monsieur Paquet, attention pas de se prendre des cassures là. Ouais, ça accélère. Fais gaffe de pas se faire piéger maintenant. Et je vais bientôt constituer le train pour ces derniers kilomètres. Un épisode très très court, peut-être un peu trop court d'ailleurs par rapport à ce que j'avais prévu. Allez, je vais faire petite pause, toujours l'habituelle, petite pause. Pour préparer le train, Tom Paquet qui va se mettre dans la roue pour l'instant, on va pas s'affoler. Voilà, on va faire comme ça. Richard, il va passer, j'ai mis en x2, je suis désolé. Allez, c'est quand je commence à stresser que je mets en x2. On va remonter tranquillou, hein, on n'est pas pressé, 19 km. On a encore le temps. Faire gaffe à doubler les coureurs qui se relèvent. L'échappée a été reprise en partie. On va passer à droite, c'est peut-être pas le bon move, ça dépend, ils vont se mettre à droite, à gauche, ils savent pas trop, on est dans la moto. Là, dans la moto, on est remonté. Et le Richard qui va rouler là. Alors que Valentin Madouas et Seskivicus sont en train de se faire la malle. Seskivicus et Madouas sont en train de partir, Tony Hurel en contre, il va. Et nous avec Louis Richard, va être obligé de rouler. Il va rouler fort, Louis Richard. Jason Tesson qui va aller suivre l'attaque. Qui va rouler ou suivre l'attaque ou attaquer là, je comprends pas trop. Ce que fait Jason Tesson. Voilà, le petit groupe a été repris, les petites échappées. Allez Tom Paquet, tu vas passer devant Morin. Allez Florian Richard, excusez-moi. Après Louis Richard, c'est Florian Richard Andrade qui est allé rouler. Allez, on accélère le rythme. On est parti très loin, hein, mais il fallait, parce qu'il y avait des attaques, il fallait contrer celle-ci. Allez Maël. Maël Guégan qui va maintenant rouler très fort dans cette montée. Allez, il va s'écarter, il va laisser Louis Barry faire son effort. Il aurait dû partir vers 6 500 km, Louis Barry, normalement. Allez, je vais le lancer maintenant, Louis Barry. Après, ça finit en virage, hein, donc j'ai pas trop m'affoler. On va rouler fort parce que s'il lui faut plein descendant, là, ça roule tout seul. Enfin, ça va rouler tout seul. Et ça attaque, attaque du gopage d'un côté. De l'autre, c'est la formation AG2R qui lance de très très loin. Et c'était peut-être le bon coup d'AG2R. C'était peut-être le très bon coup d'AG2R là. Ça va nous obliger de lancer de très loin avec Emmanuel Morin qui va arriver plus vite que AG2R dans le virage. Il va prendre à l'extérieur. Emmanuel Morin peut-être prendre la victoire, la deuxième victoire sur la Coupe de France, oui. Deuxième victoire cette saison d'Emmanuel Morin. Magnifique. Devant Clément Venturini, Pitalgard, Baptiste Loubel. Incroyable performance. Ce sprint parfaitement géré. Une nouvelle fois, je parle pas assez dans les sprints, mais... Quelle victoire. Deuxième victoire d'Emmanuel Morin.
c'est incroyable, excusez-moi. La vidéo va être beaucoup trop courte, une dizaine de minutes, alors que j'ai l'habitude de faire plus de 20 minutes. C'est comme ça, il s'est rien passé. C'était une petite épreuve, je préfère faire des petites courses comme ça. Il y en a dans les Coupes de France. Mercantour va durer très longtemps. C'est le début aussi de la chaîne. Quelle victoire d'Emmanuel Morin! Incroyable, alors qu'on va attendre l'arrivée de Pierre Barbier, de Weiss, de Jonathan Hiver, de La Peyra et Torres. Oui, parce que moi je fais pas les coupures en fait, hein, je vous dis, c'est pour ça que je sais quand j'ai fait les coupures, parce que je ne fais pas les coupures après au montage, je fais les coupures en direct. Et donc forcément, et où je vois le temps, et là je suis à 6 minutes sur ce record là, je vais être à 4 sur le d'avant. Bon bah, petite vidéo d'une, même pas d'une quinzaine de minutes en fait. C'est rapide, simple, efficace. Il s'est rien passé aujourd'hui, pas de chute, pas de cassure. Ce sont les Coupes de France qui sont faites comme ça. Et donc voilà, Emmanuel Morin qui s'impose. On va revoir The Sprint. Là, une caméra qui est vraiment immonde. C'est. Voilà, sur les Champs-Élysées, c'est pas mal. Mais là, dans ce sprint, voilà, on voit un Nantais qui se fait doubler. Mais. Alors, on va voir Emmanuel Morin prendre à l'extérieur. C'était le plus rapide de prendre à l'extérieur. Regardez-moi ça, il va doubler Venturini, il me semble, hein, et le coureur de la J2R. Je pensais qu'ils avaient gagné J2R, mais non, on est bien revenu dans le final. Top Paquet l'a lancé à la perfection. Et Emmanuel Morin est venu s'imposer ici à Cholet au lendemain de sa victoire sur la classique Loire-Atlantique. Avec maintenant, voilà, le podium. Emmanuel Morin qui monte pour la deuxième fois cette saison sur ce podium, deuxième fois de l'histoire de l'équipe. Venturini, Elgar, Louvel, Sarro, Cardis, Manzin, Boudapage et Madouas complètent le top 10. Au niveau du classement par équipe, c'est AG2R qui va marquer des points aujourd'hui devant Nantes et Groupama FDJ. Magnifique, magnifique performance de l'équipe. Et on va arriver tout de suite au résultat. On aura la petite page de journal, comme d'habitude, de Cyanide Sport. Et ensuite, les résultats. C'est Tom Paquet, 14e, qui va marquer des points. Tom Paquet, le luxembourgeois. Et voilà, lanterne rouge aujourd'hui. Edwin, hier, Torres. Ils sont venus un peu pour rien, c'est dommage pour eux. Cette équipe qui ne veut pas faire de performance. Clément Venturini, 2e. Qui, je pensais, allait gagner, mais non, toujours pas. Clément Venturini n'ira pas chercher de succès une nouvelle fois. Ici, c'est. Voilà, donc c'est dommage pour lui. Bon, je vais vous laisser avec le mot du futur pour les classements. Les classements avec les points pour la Coupe de France. Ça aurait été un plaisir de tourner cette courte vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis, à tout de suite en fait pour les classements. Allez. Et donc, au niveau points de classement, avec donc Emmanuel Morin qui a marqué 50 points, Venturini 35 et Algard 25. Donc, ce sera une très grosse performance pour Emmanuel Morin qui va pouvoir. Prendre la tête du classement, on le verra tout à l'heure. Au niveau du classement par équipe, on aura donc H2R avec 12 points, Nantes 9 points et Groupama FDJ 8 points aujourd'hui. Ce qui sont également de très belles performances. Arrivé de Tudor qui a marqué ses premiers points avec 5 points. L'équipe de France a marqué ses premiers points grâce à Page, notamment avec 6 points. Au classement des jeunes, Louvel, Page, Froidevaux sont les 3 premiers du jour. Velten, Paquet, Gall complètent le top 6. On passe maintenant au classement général avec Morin qui prend la tête avec 100 points, ce qui est énorme dès le début comme ça. Et Venturini est juste derrière avec 53 points, une victoire pour lui permettre de repasser devant. Pedersen et Rochey toujours avec leurs 50 points qui complètent ce podium. Derrière, on va avoir comme grosse remontée de Louvel avec 32 points qui va être donc maintenant 9e. Bouddha, lui, est avec 20 points. Le cours de l'Algosport, 18e, qui fait également une belle remontée. Petit classement avec une petite nouveauté, les up and down. Donc, on voit les places gagnées et les places perdues par rapport au classement précédent. Au classement général, donc, par équipe, c'est donc la Groupama FDJ avec 28 points devant la H2R. Citroën Team avec 25 points. Cofidis avec 21 points. H2R qui gagne donc 2 places. Cofidis et Groupama FDJ sur le podium qui gardent avec 0. Nantes qui gagne 3 places avec leurs 21 points à la 4ème place. BNB, Trek et Arca qui perdent 3, 1 et 1 place respectivement avec 19, 12, 12 au niveau des points. Grosse remontée de Roubaix et de Total Energy. Total Energy gagne 4 places avec 10 points. Et donc Ghostport qui gagne 5 places et qui a maintenant 10 points. Grosse redescente peut-être pour Bingo, l'IF, Intermarché. Enfin, il n'y a pas vraiment de grosse redescente. Surtout des 2 et des 1 place en moins. De nouveau dans le classement, c'est la France avec 6 points. Et la Tudor Pro Cycling Team qui, elle,
à 5 points. Au classement général des jeunes, Anolkowski et Barry gardent la tête avec 35 points, mais le retour de Louis Mathis Louvel, 3ème avec 32 points. Bramvelton est donc lui 4ème à 19 points, dès qu'il regarde sa place. Benton et Mario, c'est pareil. Page est avec 10 points, et maintenant, Froid de Faux fait son apparition également. Tom Paquet et Félix Gall, 15 et 16ème, font également leur apparition avec 3 points dans ce classement. C'est donc tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des trucs à dire. Je prends toutes les remarques, positives comme négatives. Et on se dit à très vite pour la prochaine manche qui me semble est la route Tourangelle.